Toto. Oui, Toto. Je ne suis pas d'accord, mon cher Toto. Qu'est-ce qui se passe, Toto? Oh là là, tu vas encore me faire une crise parce que tu n'es pas trop apparu dans l'épisode précédent et même dans tout ce Toto Play. Oui, Toto, il y a ça. Et de plus, tu as fait un épisode trop long. Il a duré presque 30 minutes. Bon, pour les Toto Friends, c'est bien. Mais non. Non, sinon l'histoire va passer trop vite. Tu as raison, Toto, je vais faire un petit peu moins. Et tu ne peux pas apparaître dans ce Toto Play puisque c'est un Toto Play émouvant, mon cher Toto. Tu comprends, tu ne peux pas être émouvant. Mais si, Toto, regarde, je pleure. Non, c'est pas vrai. Tu t'es mis des citrons dans les yeux pour pleurer. Bon, d'accord. Tu as raison. Bon, je te laisse faire ton Toto Play. J'apparaîtrai de temps en temps. Bon, bah très bien, Toto. Salut, salut, salut. Ici Tot. Et aujourd'hui, les amis, on se retrouve eh bien pour l'épisode number 5 de notre Toto Play sur To the Moon. Alors, les amis, pour vous remémorer l'histoire, on a vu ce cher mariage de Charlie and the River. Oh, yeah, ça s'est super bien passé. Malgré que Rosaline a dit que c'était une erreur. C'est parce qu'on a déjà l'aperçu du futur qui approche, les amis. On sait ce qui va se passer. C'est ça aussi ce qui est prenant dans cette histoire. C'est que, bah voilà, on sait ce qui va se passer. Donc, quand on voit les choses dans le passé, on se dit, hi. Mais s'il savait, parce que nous on sait tout. Et donc là, on ne sait toujours pas ce que River contracte comme maladie. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Qu'est-ce qu'elle a? C'est ce qu'on se pose depuis 3 à 4 épisodes et ça m'énerve parce que je ne trouve pas. Ce n'est pas grave, my friend. On va trouver, je le sais. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut... Oh, on peut monter sur le comptoir, on est des gros vandales. Oh, et le memento, c'est l'horloge. Bah ok, j'avais qu'une seule orbe, c'est pas très efficace. On va redescendre et on va parler à River. On peut pas lui parler. On va parler à Johnny. Johnny. Excusez-moi. Pourriez-vous faire cesser le tic-tac de l'horloge? Oui, c'est vrai que ça m'horripile un petit peu. Ça la gêne vraiment. Ce n'est pas si grave, ça va aller. Pas de problème, c'est la moindre des choses. S'il y a quoi que ce soit qui vous incommode, faites-le moi savoir. Votre tête m'incommode. Vous êtes tout gris. Non, je ne suis pas raciste envers les gris. Merci. Voilà l'explication pour les horloges qu'on a vues chez eux. L'horloge qu'on a vue chez eux. Je ne m'en souviens pas de ce passage-là, les amis. Il y avait une horloge qui est arrêtée, sûrement. Qui n'était pas à l'heure. C'est pour ça qu'ils ont arrêté le tic-tac. Allons voir sur le comptoir. Il y a peut-être une orbe. Non. Tony Hatchwood, c'est l'auteur du cher livre que nous a donné ce docteur pour River. Bon, où sont les autres orbes? Peut-être on peut sortir par ici? Non, bah non. Bah, où sont les autres orbes? Alors, ah bah, allons parler à Johnny. On en a plus pour très longtemps à attendre. Ils s'appelleront bientôt. D'accord. D'accord, Johnny. Alors, attendez, là, il me manque encore deux orbes. Hey! Qui a deux orbes pour moi, s'il vous plaît? Non, non, pas ici. Là, c'est le memento. Là, c'est River. Là, c'est un rideau. Là, c'est du... C'est une table de torture. Je sais pas trop, en fait, où chercher, les amis. Où est-ce qu'on peut aller? What is the fuck? Ici non. On va remonter ici, on sait jamais. Hop, je vais mettre les deux. Ah non, il en manque un. Hein. Dites-moi où aller. Là, je suis assez perdu, les amis. Non. Là, je suis déjà monté, ça ne sert à rien. Peut-être ici. Ici. Ah, le sac de notre cher River. Un sac à main beige ordinaire. Ah, voilà. Et pas d'autre orbe? Non. C'est tout? Non, non. Cherchons bien. Chaque fois qu'il y a une petite loupe... Je peux pas parler à River. What, Johnny? N'avait rien à me dire. Peut-être une petite orbe, n'importe quoi. Faut trouver un truc roux, les amis. Un truc orange, un truc jaune. Bah non. Ici, non. L'ornithorynque! Oh, il était caché, le petit. Allons le voir maintenant. Oh, l'ornithorynque. Le voilà. J'ai du mal à croire que cette petite horreur a déjà été là. C'était pas... Ouais, c'est vrai qu'il est vieux, les amis. Hein. Là, il doit avoir 30 ans, Johnny à River. Et qu'ils étaient là. Il était encore là quand Johnny était super vieux. On dirait que quelqu'un en a pris grand soin. Cela dit, elle a plutôt mauvais goût en matière d'animaux. Ouais, c'est ça, c'est River. C'est l'ornithorynque de River. Elle l'a toujours avec lui. Avec elle, pardon. Hop. C'est parti pour le code, let's go my friend. On va revenir le passé. Toto est parti aux toilettes. Voilà. Oulala, par contre ça a l'air beaucoup plus complexe. Là je vous aurais les amis, ça va être compliqué. Idéal 4? Non. Si, je l'ai peut-être. Comme ça.
Like a big boss. Oh yeah. Et il est 10h du soir. Oh my god, faut arrêter que je vais me coucher. Non, je rigole, my friend. On doit faire un épisode avant. Let's go for the past. For the past. Oh. Oh là les amis, je crois que nous arrivons dans l'adolescence de notre cher Johnny. Ça devient très intéressant. Psst, regarde. J'ai vu, j'arrive pas à croire qu'ils aient payé pour voir ce navet. Mais non, idiot, regarde, c'est un autre souvenir. Oh my god. Oh là là là, la musique... La musique est bizarre, my friend, la musique est bizarre. Non, t'as maraconi trop cuit. Le gamin va au cinéma tout seul, la honte. Tu vas toujours au cinéma tout seul. C'est différent. Personne n'est assez intelligent pour comprendre mes goûts. Mais à part ça, comment peut-on supporter cette bouse? Bouse. Ah là, ce cher Watts a toujours raison. Mais que fait Johnny tout seul? Où est River? Ah, je crois qu'il la cherche justement. Il a gardé une place pour elle. Mais elle n'est pas là. Non, Johnny! Il est accablé. Il est accablé. Johnny, non. Non. Vite, allons le voir. Il faut les réconforter, il faut aller voir River. De plus, ce film craint d'un point de vue physique et métaphorique. C'est QFD, mais mon cher Neil, ne vois-tu pas que ce Johnny en a sur le cœur? Hein? Oh, d'accord. J'ai parlé à la place de Rosaline, c'était un petit peu ce qu'on voulait dire ensemble. Ah, moi et Rosaline, on a un petit peu le même état d'esprit. Oh, Johnny, trois petits points. Johnny. Ouah, attends, c'est clairement pas question. La grammaire, mon cher Watson. Oh, c'est bon, hein. Et d'abord, elle est même pas complète, ta phrase. Contentons-nous d'aller chercher des mementos. Oh, Johnny. C'est quand même pas question que j'adresse la parole à un Nemo de saison. Mais c'est pas un Nemo, Johnny. Non. Neil. Ah, bon, bah, je suis une fille, je vais pouvoir... Oh, yeah, je contrôle une fille, donc je vais pouvoir aller chez les filles, non? Non, bon. Bon, bah, voilà, je me suis fait remballer. C'est fermé, de toute façon. Allons chercher des orbes, les amis. Des liens mémoriels. Ou des mémoriaux. Des liens mémoriaux ou mémoriaux, je ne sais pas, je ne veux pas savoir. Oh, petit fuck. Waouh, je l'ai fait disparaître. Qu'est-ce que tu fais? C'est la troisième personne que tu effaces. Non, la deuxième, mon cher. Et c'est comme si... C'est pas comme si c'était permanent. Yeah, je vais m'amuser à les faire disparaître. Attention, toucher, disparition. Toucher, disparition. Oh, toi, je t'aime pas, toi. Disparition. Non, je crois de toute façon que c'est... Tu es au courant que les faire disparaître comme ça ne sert absolument à rien, non? Dans ce cas où est le problème? Non, je crois que je vais arrêter là, les amis, ça ne sert à rien. Allons voir Johnny. Johnny. Alors, on s'est fait poser un lapin? Ça, c'est un instant Kodak. D'accord, je n'ai pas compris. Toi et tes semblables, vous savez vous comprendre à ce que je vois. C'est exactement ça. Oh non, mais c'est triste, my friend. Johnny, il est tout seul. Il s'est fait vraiment poser un lapin. Ah, oh, ça m'aurait pas plu. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je peux faire disparaître les noirs et les blancs. Bah comme ça, il n'y a pas de racisme, les amis, là-dedans. Je peux faire disparaître les deux couleurs. D'accord, mais ce qu'il nous faut maintenant ici, c'est des orbes. Il nous en manque deux. Cherchons. Bon, il n'y a rien ici. J'ai bien peur de devoir lui arracher un memento. Fais-toi plaisir. Au moins, il n'y aura pas d'olive cette fois-ci. Vas-y, Dr. Neil. Let's go for the show. On compte sur toi. Va au moins réconforter ce cher Johnny. Il est tout accablé, regardez my friend. Oh. Peut-être que... Une lueur d'espoir. Ouais. Oh, elle est là. Elle était dans l'autre salle, la coquine. Oh, elle attendait aussi, en fait. Hey. River. Yeah. Oh, énorme en plus. Tu étais là depuis le début. Oui. Ah, j'aime bien le tioche en tête, oui. J'étais attendu dans le hall, je pensais que t'étais pas venu. Bah alors, River. Pourquoi es-tu parti? Je croyais qu'on regardait le film ensemble. Ils étaient pas côte à côte. Ah, c'est moi qui devais te poser cette question. Qu'est-ce que tu veux dire? On regardait le film ensemble et tu es parti. Et on ne le regardait pas ensemble. Je ne savais même pas où tu étais. Si tu m'as vu, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu t'installer avec moi? Bah c'est vrai ça, qu'est-ce que ça change? Oh, bah River. On regardait le même film dans la même salle. Bien joué River. Trois petits points. Gros blanc de ouf. C'est marrant en plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es tellement bizarre. Oh ça se dit pas par contre. Tu n'as plus envie de regarder qu'on regarde le film ensemble? Bien sûr que si. Viens, retournons dans la salle avant que ce soit fini. Et cette fois vous mettez côte à côte s'il vous plaît. Ça fera mieux. Ah c'est mignon.
Allez, côte à côte, s'il vous plaît, mes petits. Ah. Il nous manque une orbe. Pour casser un peu le rythme de l'histoire, il nous manque l'orbe orange. Je pense que je devrais faire une de ces petites remarques dont j'ai le secret. Tu penses mal. Bon, espérons que notre ticket de sortie nous attende là-bas. Bon, mais il nous manque une orbe quand même. Oh, pourquoi lui est vraiment en noir, mais vraiment noir. Tu as un problème, petit? Ah bah non, c'est bon. Bah peut-être que la dernière orbe se trouve, les amis, dans la salle de cinéma. Allons voir. Ils sont rentrés dans celle-ci. Let's go, my friend. Ah, mais je peux rentrer que de ce côté-là. Ok, bah les VIP, je pense, c'est pour Tot. L'entrée de Tot est par ici. Allons les voir. Yeah! Je l'ai, c'est la dernière. L'ornithorac. Oui! L'ornithorac nous a servi plusieurs fois, my friend. Mais avant, les amis, je vais leur parler avant d'activer le memento. Voyons voir ce qu'ils se disent. Ils ne disent rien. Hey! You should kiss! Dédicace à SDF Movie, si vous connaissez, my friend. Vous connaissez sûrement. Bon, le code. Je ne sais pas ce qu'est le code. Voilà. Alors, my friend. Idéal 5. Alors, je pense avoir le truc, my friend. Ici. Ici. Yeah! Like Toto. J'ai envie de dire là, my friend, je me suis surpassé. Ça fait plus de 3 ou 4 fois que je fais des idéaux à chaque fois. Like Big Boss, like Toto. Tu sais quoi? Je crois que je commence à... Ah, je parlais pour River là. Tu sais quoi? Je crois que je commence à apprécier cet ornithorync. Surtout parce que je ne peux pas faire autrement, mais bon. Voilà, c'est un peu ça. Retour vers le passé, my friend. Let's go. Ah, oh, où est-ce qu'on est dans le futur, dans le passé? Ouh, là, on doit être au collège, my friend. Hey, le collège. Oh, yeah. Allez, mec, et des couilles. Pas mal. Mais non, c'est juste que... Écoute, peut-être que ce n'est pas une si bonne idée. Oh, ils vont se rencontrer. Oh, ça va être trop bien. Oh, allez, qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Réfléchis, dans le pire des cas, bah, elle dit non. Oh, bah là... Tu pourrais faire comme si dans l'année c'était passé, personne ne le saura et on pensera toujours que tu es cool. Mais si elle l'a, si elle le dit à quelqu'un, on me hurle dessus. Fais pas ta mauviette. Personne ne me traite de mauviette. Ou dis oui mais pense non. Pff, arrête de t'inquiéter, qui ferait ça? Si elle me jette une encyclopédie dans la tête, ça fait mal. Je n'ai même pas de casque, mon dieu, je suis vraiment pas fait pour ça. Mec, panique pas. Oh, mais c'est Toto Nicolas en fait. Oui, Tot, je vais aider Tot cher Johnny à avoir une copine. Maintenant, tu te redresses et tu arrêtes de jouer les mauviettes. Ouais, bien dit. Tout va bien se passer, demi-tour. Maintenant, mon cher Johnny. D'accord. Hey, mais qu'est-ce que tu... Allez. Hop, voilà, je me casse maintenant et tu fais ton petit boulot. Salut. Bon, ils se rencontrent, les gars. Salut. Hey, River, qu'est-ce que tu fais? Tu m'entends? Oui. Elle est vraiment bizarre. Alors, pourquoi tu n'as... Oh, peu importe. Allez, Johnny, tu peux le faire. Il est cool, l'ornithorynque que tu as là. Qu'est-ce que tu lis? Un livre. Oh, oh, bravo. Qui parle d'Onitorak? Bien joué, Johnny. Non. Bon, tant pis. Oh, je... Ok, génial. Ok. C'est assez perturbant. Et ça parle de phare. Oh, de phare, hein? De phare. Il reste dans le pays exactement 16 phares de second ordre équipés de lentilles de Fresnel. Ou Fresnel, je ne sais pas. 9 d'entre eux sont côtiers et parmi eux, un est issu de la modification d'un phare à lampe à kérosène. 3 petits points. Oh, c'est ce que tu es en train de lire, vraiment. Gros blanc. Tous les matins je me prends des vents, ça me purifie, c'est important. Allez Johnny, conquis son cœur, tu peux le faire. Ça te dirait d'aller voir un film ensemble et ces jours? Oh, c'est moi, ils vont aller voir un film. Oh, on voit à chaque fois leur demande et tout, c'est juste amazing. N'hésite pas, River. Je ne sais pas. Non, faut pas hésiter. C'est pas grave, je t'ai essayé le temps d'y réfléchir. Je ne peux pas. Pourquoi? Il n'y a pas de date ni d'heure. Oh, qu'est-ce que tu dis de ce samedi à 20h?
Allez, dis oui, River. Dis oui. Dis oui. Allez, River. Alors ? Ah, j'aime pas ces gros blancs que nous disent River comme ça. Eva, je crois que le système a bug. Oui. Ah, super. Oublie. Très bien. On se met à d'accord sur les détails plus tard, ok ? Genre si on s'embrasse, des trucs du genre, tu vois. On fera ça en live. En direct. Je vais... salut. Ah, la sœur Johnny est encore très timide avec cette River. Faut le temps de la connaître, je pense. Quoi ? Pourquoi tu me regardes ? Trois petits points. Tu penses que je vais faire remarquer à quel point ça a été maladroit ? Trois petits points. Eh bien, tu peux oublier, je ne vais pas répondre à tes attentes. Fichu la paix, il est encore jeune. Toi, plus que n'importe qui, tu devrais comprendre. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Tais-toi et avance. Je ne m'appelle pas tais-toi, tu sais. Si, des fois, oui. Toto, qu'est-ce que tu dis à Johnny ? Mais bordel, c'est quoi ça ? Quoi ? Je lui ai demandé de sortir avec moi ? Non, c'était pathétique. Tu es vraiment une grosse brêle, Johnny. À ta place, je me serais planté devant elle et j'aurais dit... Hey, toi ! Un rendez-vous ? Moi, toi, maintenant ? C'est carrément horrible. Je sais, mais c'est la méthode Toto. Et mais même ça aurait été mieux que ta prestation. Une orbe, oh yeah. On va voir ce qu'il y a ici. Ah, on le revoit à chacun de ses cours, c'est génial ça quand même. Qu'est-ce que vous faites ? Vous dessinez quoi ? Seigneur. Ah d'accord, c'est un peu comme mon dieu, je pense. On l'a déjà rencontré ça. Seigneur, je ne peux pas croire que tu m'as obligé à assister à ce cours. Allez, c'est marrant quoi. On dessine des trucs torrides. Seulement, si tu sais peindre... Tu t'améliorerais si tu t'exerces, tu sais. Tu t'amélioreras si tu t'exerces, tu sais. Ouais, c'est ça. Après ce cours, je ne toucherai plus jamais un pinceau. Trois petits points. J'aime bien, je pense que Toto est très bien dans le rôle de Nicolas. Je pense qu'ils ont le même tempérament. On peut pas aller par là. Alors là, je suis foncé, je suis parti dans le mur. Allons vers la flèche rouge. Mais si ce 3 lignes, il continue. Ok. Cherchons une troisième arme, my friend. Personne ? Oh, River, elle est là. River. Oh, ils sont loin. Je pense qu'il y a Nathalie ici. Isabelle, pardon, et Nicolas ici, je pense. Vraiment personne ? Trois petits points. Allez, quelqu'un là. Sinon, j'interroge. Bien alors. River, pourquoi tu ne réponds pas ? Trois petits points. Johnny, prends sa défense, réponds à sa place. Je sais que tu connais la réponse. Nous attendons, River. Allez, River. Bon, je pense que nous allons te... Il prit la mer le 3 août 1492 depuis la ville espagnole de Palos de la Frontera qui a été fondée en 1322 et dont la gouvernance fut accordée à Alvarez par Tecus et Mane qui n'avait pas que 14 ans suite à... D'accord, suite... J'ai seulement demandé la date. Tu vois bien, ce n'était pas si difficile. River, tellement bizarre. Bon, je vais dire mon dieu à la place. Mon dieu, est-ce que tous ceux qui ont ce problème ont son... Oh là ! Est-ce que tous ceux qui ont son problème ont une mémoire quasi photographique ? Pas exactement, mais il semble que leurs capacités de mémorisation sont souvent très élevées. Oh my god. Ouais, bah oui, les amis. Comme on repart de plus en plus dans le passé de Johnny, c'est normal qu'on a vraiment du mal à discerner les différents personnages. Parce que les souvenirs, ça se perd au fur et à mesure du temps. Parlons à Nicolas. Psst. Hey, elle vient par là. Fais gaffe, franchement, ça. Halte-tab. Ah, génial. Alt-tab. Pour ceux qui savent pas, les amis, alt-tab. Si vous êtes en plein écran, par exemple, vous faites alt-tab sur un jeu et puis vous revenez à votre bureau, par exemple. C'est une bonne astuce, hein. Cafétéria, ouvert uniquement pour les heures de repas. Ok, donc je me casse. Allons voir ce qui se trame par ici. On a les trois liens mémoriels. Allez, ça ira, vous avez intérêt à faire un peu moins mauvais la prochaine fois. Docteur... Ah oui. Un gymnase, il pourrait nous servir plus tard. Je n'en reviens pas que pour lui... Les lignes de ce terrain soient des rectangles. Oh là, ce cher Anaël, toujours le mot, le bon mot. Oh, un piano! C'est sûrement là qu'il a appris à jouer, my friend. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un... Ah, c'est pour les ballerines, sûrement. Je veux dire, qu'est-ce qu'un piano fait là? Souvent après le sport, my friend, c'est l'heure d'aller manger. Ah, nécessite qu'un lien mémorieux, ok. Bah, peut-être lui, hein. Oh! Allez, Toto, montre que tu es le plus fort, mec. Oui, Toto, c'est bien. Argh! Ça va, t'as gagné. Yeah, c'est moi le big boss, c'est moi Toto. Bah oui, Toto gagne toujours, my friend, hein, vous le savez. Bon bah voilà, John n'est pas vraiment très très fort en ce qui concerne de la musculation. Oh, ils ont disparu, tellement ils sont allés vite. La cafétéria est ouverte, my friend, let's go.
Hello, everybody. Hello. Ah, il y a Johnny là-bas. Allons le voir, my friend. Johnny. Qu'est-ce qui va se passer? Hello. Ouais, elle est exceptionnelle. Exceptionnellement ennuyeuse. Bien joué, Toto. Merci, Tot. Non, mais regarde-la, quoi. Oh, elle est toute mignonne et toute seule. Il faut aller la voir. Enfin, Johnny. Elle ne fait que rester assise toute seule toute la journée avec son affreux canard déformé. Ce n'est pas un canard déformé, c'est un ornithorynque. Bien joué, Johnny. Quoi, un ornithorynque? Arrête d'inventer des mots. Bref, elle est tellement ailleurs, tu vois. C'est genre comme si elle venait d'une autre planète. Je sais, c'est cool, non? Si tu es du style alien et compagnie, sûrement. Pas mal, Toto, pas mal. Mais enfin, si tu tiens à être bizarre, pourquoi t'irais pas traîner avec les émos et les gothiques? Eh bien déjà, je veux pas me bousiller mes cheveux. Bien joué, Johnny. Et le fait qu'il y ait un mot pour le décrire en dit long. Écoute, Nick. Écoute, Toto. Je ne veux pas simplement être un énième gamin ordinaire, noyé dans une mer de gens normaux. Non mais tu crois vraiment qu'être avec elle changera ta propre identité? Attendez. Tu ne serais qu'un type sortant avec une fille timide? Elle est pas simplement timide, Nick. Il y a quelque chose d'étrange chez elle. Être étrange n'est pas toujours une bonne chose, tu sais, je le suis et des fois c'est pas bon du tout. Sais-tu seulement si elle veut être différente? Peut-être qu'elle ne souhaite que trouver sa place comme n'importe qui. Et si c'est le cas, la pousser dans l'autre direction ne l'aidera pas, tu crois pas? Nick, ce qui est important, c'est ce dont j'ai besoin. Oh, on va savoir! Et c'est elle qui l'a. On va savoir. Je veux savoir. Johnny, dis-nous. Alors tu la veux pour ce qu'elle a, mais pas pour ce qu'elle est. C'est pas sympa, mec. Ah non, mais alors là, pas du tout. J'espère que tu sais ce que tu fais. T'inquiète. Johnny, non. Non, Johnny. Comment tu peux faire ça? Moi, je pense que tu as tort. Oui, je suis du même avis que toi, Toto. Les gens normaux n'existent pas. Tout le monde est unique à sa façon. C'est exactement ce que disent les mamies. Non mais, Johnny, il ne la choisit pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle a. C'est juste horrible. Attends, alors ce type essaie de s'accaparer des gens pour paraître plus cool. C'est plutôt perturbant. Alors là, exactement là. Tu sais, parfois j'ai envie de gifler nos clients. C'est lycée, ah ils sont lycée. On est tous des salauds à cette époque. Mais hey, bienvenue au club. Pas mal, Nate, pas mal. Attends. Alors, c'est de ça qu'il lui a parlé sur Facebook. Voilà, c'est ça. Je t'ai choisi pour ce que tu as et non ce que tu es. Oh non, sérieusement. Je suppose que oui. Elle a ensuite perdu la boule et commencé à fabriquer des lapins. Ces lapins flippants, c'est ça. Parce qu'il aurait confessé un secret vieux dont on ne sait combien d'années. Elle doit être très rancunière. Ah non, je pense pas. C'est pas trop son genre. Je n'y crois pas une seconde. Bah, moi non plus. Quelque chose cloche. Va donc mener l'enquête, Sherlock. Allez, je pense que notre ticket de sortie est posé contre cette table. Oh my god. Le memento doit être ici. Il lui manque une orbe. Allons voir. Allons voir. Non, on va parler. Non, Johnny, on peut pas lui parler. Toto, on peut te parler ou pas? Toto. Il y a de la chance. Quand on pense que ce gamin était toujours là des années après, avec tous ses cheveux blancs, pour l'aider à déplacer les pianos. Moi aussi, j'aurais aimé garder un contact avec des amis d'enfance. Ah, ce cher Toto, toujours là quand on n'a pas besoin de lui. Allons voir, notre cher River, si tu savais. Quoi qu'il en soit, il est assez incroyable que leur rencontre monte à leurs années de lycée. C'est vrai en plus, depuis le lycée. Non, mais je pense que quand même Johnny l'aime depuis. Enfin, ça a duré quoi Combien de nos couples durent plus d'un mois de nos jours, hein? Je ne sais pas pour toi, mais le mien a marché comme sur des roulettes. Ah bon? À tel point qu'on a manqué un virage et fini par la fenêtre. Je me dis... Pas mal, Neil. Il n'y a pas un petit memento ici? Ah non, Victor encore plus. J'adore voir ce truc. C'est un lien mémoriel gratuit à chaque fois. Ça a dû laisser dans son esprit une cicatrice aussi grande que dans le mien. On a tous les ordres, my friend. Oh, c'est le pauvre River. Ah, oh, ça m'énerve ce qui s'est passé là. Ça... C'est très perturbant, my friend. C'est très perturbant. Mais on va faire avec puisque, my friend, l'épisode number 5 de notre Toto Play s'achève ici. Et oui, nous devons arrêter l'épisode ici. Eh bien, que de rebondissements, c'est maintenant
ce qu'a dit Johnny. Eh oui, Johnny, tu fermes les yeux, là. C'est vraiment mal ce que tu as fait. Mais maintenant, nous devons encore remonter plus loin, parce que notre but premier, les amis, c'est de trouver pourquoi Johnny veut aller sur la Lune. Pourquoi son rêve éternel, sa nouvelle vie, voudrait être d'aller sur la Lune, je vous le demande. Eh bien, c'est ce qu'on va savoir sûrement dans le prochain épisode. Alors, n'oubliez pas de mettre des pouces verts, de mettre des commentaires si vous avez aimé. Abonnez-vous, devenez un Toto Friends pour ne pas rater les prochaines vidéos de To The Moon. Alors, moi, je vous dis salut à tous. C'était Tot pour l'épisode number 5 de notre Toto Play sur To The Moon. Allez, salut à tous et portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo, my Toto Friends.